par la brutalité. La loi est fondée sur le crime médité. Sa politique armée corrompue de la tête aux pieds est prête à tuer pour des liasses de papier. Naïf et déboussolé, un gamin ne sait plus où se cacher. Pour fuir le danger, y'a personne pour l'aider. Victime de la pauvreté, du haut conflit armé. Mais peux-tu réaliser ce qu'il doit endurer? Imagine ma blessure devant ces âmes perdues, devant ces gamins abattus. Tu vois, c'est la torture. Cette réalité est si dure que j'ai le dos au mur. Et cela donne à ma plume un goût d'amertume. Coincé dans ce bidonville, les conditions sont hostiles. La vue de ces pupilles n'est pas fantastique. Abrité par deux briques et d'un bout de plastique, il arpente la vie sous ce tas de débris. Sans censure, il marche dans la rue, les pieds sans chaussures, vêtus d'un simple tissu. En quête de nourriture, en plein milieu des détritus, il poursuit sa lutte pour atteindre son but. Imagine ma blessure devant ces âmes perdues, devant ces gamins abattus. Tu vois, c'est la torture. Cette réalité est si dure que j'ai le dos au mur. Et cela donne à ma plume un goût d'amertume. L'ambiance est dramatique. Nombreux de ces enfants ont perdu la joie de vivre. Devant la grâce, y'a beaucoup trop de trafic. Armés jusqu'aux dents, le mal les enivre. C'est affirmatif, c'est la politique. Avec seul objectif, c'est de se faire du fric. La drogue les envahit, tourmente leurs esprits. Ils tirent sans réfléchir pour monter leur empire. Toujours en pole.